journée de décembre ont constitué, on peut le dire, même avec le recul aujourd'hui, ça a été quand même un tournant décisif, je peux dire, dans la lutte de libération. D'abord, ça a montré, encore une fois, que l'indépendance ne vient pas toute seule et qu'elle s'arrache. Et ce sont des Algériens qui se sont avancés avec leur poitrine nue devant les chars, devant la mitraille, devant les massacres de toutes sortes et les atrocités des ultras et de l'armée coloniale. Un pari extraordinaire de ce peuple, de notre peuple, et qui a étonné le monde entier, encore une fois. Les journalistes du monde entier étaient là. Était présent. Et puis les journaux français, y compris l'Aurore, y compris les journaux de droite, tout ça, ils étaient ébahis. Et on peut parler aussi de la presse britannique, de la presse américaine, de la presse suédoise, de la presse italienne. Ils étaient tous là et ils ont été ahuris par cette puissance et cette énergie manifestée par notre population. Alors il faut voir le contexte dans lequel ça s'est passé. Lorsque De Gaulle est venu au pouvoir en 1958, il est venu avec l'idée quand même de frapper dur sur le plan militaire. Et il a envoyé le général Challes, qui est venu avec son plan. Challes avait un plan. Un plan de liquidation de l'armée de libération nationale. Et, comme vous le savez, le plan Challes, ça a été une sorte de rouleau compresseur qui a commencé à l'ouest, de l'ouest à l'est. Ça tournait avec des fortes concentrations militaires. Des divisions entières étaient envoyés en chacune des grandes opérations. Parce que De Gaulle leur a dit il faut être offensif. Il ne faut pas attendre que les combattants algériens viennent vous attaquer. Il faut vous-même aller les chercher. Voilà. Et évidemment, c'est la politique de Challes qui a imposé donc sur le terrain. Et alors, ils ont fait l'opération Courroie, l'opération Jumelle en Kabylie, l'opération Pierre Précieuse dans l'Est algérien, etc. Et ça a été évidemment un déluge de feu qui s'est abattu sur l'Algérie à ce moment-là. Et Challes a pu déclarer « la guerre est terminée ». Nous avons gagné militairement, il a déclaré officiellement. Et voilà que nous arrivons à ces événements. Les paras qui étaient dans les Aurès et qui sont rentrés à Alger croyaient que l'affaire était terminée. Et puis, le 10 et le 11, il y a eu ces événements-là. Le 10, le matin, ils se lèvent. Et il voit une forêt de drapeaux verts et blancs avec le croissant rouge. La casbah était complètement couverte. Ces événements ont eu lieu à l'occasion de la visite de De Gaulle en Algérie. D'ailleurs, lorsque De Gaulle est venu pour lancer cette politique de l'Algérie algérienne et de l'exécutif, il croyait que l'exécutif c'était quelque chose. Alors là, on avait l'expérience. Ce genre de formule ne pouvait pas marcher. Alors, sous le nom de réorganisation des services publics en Algérie, c'est-à-dire faire cette sorte d'exécutif, n'est-ce pas ? Et, soi-disant,
faire une Algérie algérienne. Et il est venu donc pour expliquer ça, faire des meetings, et c'est là que ça s'est déclenché. Il y a eu ces événements. Les gens sont sortis dans les villes, les principales villes d'Algérie, pas seulement à Alger. Mais à Annaba, à Tlemcen, à Oran, à Blida. Alors De Gaulle, qui devait visiter ces villes pour faire ce meeting, n'a pas pu visiter. Il a été obligé de contourner. Il n'a pas pu aller ni à Constantine, ni à Annaba, encore moins à Alger. Et qu'est-ce que ça signifie Algérie algérienne? Monsieur Roger Maurice. Roger Maurice, c'est celui qui dirigeait la délégation française dans ces négociations de Melun. Alors, M. Maurice, en se démentit, il a dit, mais ça veut dire que l'Algérie algérienne, c'est la Normandie normande, la Bretagne bretonnante. Ah bon, c'est comme ça, l'Algérie algérienne? Merci. Et en réalité, ce qu'il voulait de Gaulle, c'était d'imposer à l'Algérie, au GPRA, un cessez-le-feu. Parce qu'avant, il voulait imposer le cessez-le-feu sans négociation. Cette fois-ci, il a vu que ça n'a pas marché avec la paix des braves. Ça n'a pas marché en disant aux gens, allez, remettez vos armes avec le drapeau blanc et puis moi, je m'occupe du reste. Ça n'a pas marché. Octobre, c'était octobre 58. Et alors, il a compris qu'il fallait quand même négocier. Mais alors, il voulait restreindre la négociation au cessez-le-feu. Hein? Comment on va faire une convention pour arrêter le conflit, enfin la guerre sur le terrain, mais pour le reste, moi, De Gaulle, je m'en occuperai. Je vous ferai quelque chose sur le plan politique. Et là, ça n'a pas marché. Et c'est ce qui s'est passé à Melun. On dit alors, arrêtez cette... Je dis, oh, pourquoi voulez-vous qu'on arrête? On arrête. Notre doctrine, c'est qu'on arrête la lutte libération, que le jour où on aura négocié et le jour où on serait arrivé à un accord politique global sur l'avenir de l'Algérie. En dehors de ce préalable, il n'est pas possible d'arrêter, n'est-ce pas, notre lutte de libération. Alors Melun, ça a été un échec pour De Gaulle, pour nous ça a été positif. Dans la mesure où on savait que ça n'allait pas marcher. On savait que ça va être limité à des discussions sur le cessez-le-feu. Mais pour nous, ça a été une occasion d'affirmer la représentativité du GPRA vis-à-vis de la France. Et lorsqu'il y a eu l'ONU, de la session de l'ONU de 1958, il y avait une délégation FLN, du GPRA, qui était dirigé par Krim Belkacem. Et à l'occasion de cette tournée, de cette réunion de l'Assemblée Générale, il a rendu visite à Nikita Khrouchtchev, qui était là au nom de l'Union, président du Conseil de l'Union soviétique. Khrouchtchev l'a reçu avec les bras ouverts, etc. Soutien de l'Algérie. Ça a provoqué un scandale en France, la presse française, c'est comme. Comment Khrouchtchev reçoit des rebelles comme ça, un responsable d'une grande puissance qui reçoit des rebelles. Et Khrouchtchev a répondu, il dit, mais vous-même vous les avez reçus à Melun, comment voulez-vous que moi je ne les reçois pas? Voilà. Donc Melun pour nous, ça n'a pas donné, mais on savait que ça n'allait pas donner. Mais ça a permis quand même d'affirmer une fois de plus la représentativité du GPR. Voilà. La conclusion du cessez-le-feu en Algérie. Les dispositions adoptées pour que les populations y disposent de leur destin. La perspective qui s'ouvre sur l'avènement d'une Algérie indépendante. Là, c'est un point précis. Hein. C'est un recul, n'est-ce pas, général de Gaulle? Qui a compris que le référendum a lieu. C'est tout un peuple dans les principales villes d'Algérie qui a manifesté son appui en criant « Vive le GPRA, vive l'Algérie indépendante,
Vive. Vive Farhat Abbas. Alors, donc, il y a une sorte de référendum. Alors, les conceptions de Charles, le général Charles, tombent à l'eau. Parce qu'il a dit qu'il a vaincu, il a gagné, etc. Mais politiquement, la population reste fidèle au FLN et au GPR.